Elle préfère attendre. Alors que, chaque jour, des centaines de milliers de Français se pressent dans les centres de vaccination pour recevoir le Saint Graal du vaccin contre le Covid-19. Annie Dupéret, elle, est loin de faire la queue. À l'occasion d'une entrevue accordée à Gala, la comédienne de 73 ans a expliqué ne pas avoir l'intention de se faire vacciner contre le Covid. Je vais attendre prudemment, a-t-elle confié à nos confrères, précisant privilégier une stratégie préventive. Je fais attention, je respecte les gestes barrières, etc. Dès que je dois tourner ou faire une émission, je fais un test. Je ne suis à mon 13e. Pas anti-vaccin pour autant, elle souligne toutefois que pour les gens que ça rassure, bien sûr qu'il faut y aller. Ce n'est pas la première fois qu'Annie Dupéret exprime sa méfiance vis-à-vis des injections contre le Covid-19. Déjà en février, sur la chaîne Non-Stop People, la star d'Une Famille Formidable confiait ses doutes à l'animatrice Evelyne Thomas, « Il y a trop de questions sur ce vaccin. Je vais attendre. Je pense qu'il est urgent d'attendre devant un produit complètement expérimental, qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, qu'on appelle faussement un vaccin puisque ça fait plutôt partie d'une thérapie génique, dont on ne sait absolument pas les effets à long terme. Alors si est-il pratique, on vaccine les plus vieux, comme ça s'il y a des effets, on ne saura pas, ils auront claqué avant, avait-elle osé. Un été de grand-mère en dépit de sa décision, Annie Dupéret espère pouvoir passer l'été aux côtés de ses 5 petits-enfants. Après s'être prudemment éloignée d'eux lors du premier confinement de mars 2020, la comédienne entend rattraper le temps perdu et faire honneur à son rôle de grand-mère. Elle passera également les prochains mois à l'écriture d'un nouveau roman, dont la publication n'a pour le moment pas été annoncée.